Bon après-midi, bonjour, pardon, tout bon, maman Noab, et un bienvenue spécial pour nos bons invités qui sortent B-Saint-Anne Pralin, qui sont arrivés un petit peu en retard à cause de bateaux ordi qui n'avaient pas, vous allez comprendre, pas cette rythme. Alors, bienvenue dans l'Assemblée nationale. Nous pouvons continuer tout de suite avec une question pour le ministre pour Finances et prochainement, mon nom, Honorable Churchill Gill, et mon donne la parole, Honorable. Merci, Mr. Speaker. Un bienvenue très spécial pour les habitants de Saint-Anne. Bon grand politicien, les gens disent qu'ils sont capables de faire pour le pays. Nous, aujourd'hui, nous sommes alliés de Saint-Anne pour nous guetter. Qui nous a fait pour nos îles? Alors, mon question est comme ça. Pour assurer une distribution plus équitable en relation avec la contribution qu'ils peuvent aussi faire dans le gouvernement, est-ce que le ministre pour Finances, en travers du gouvernement, est capable de revoir l'allocation budget pour les pros pour assurer que le développement de l'île pros est accéléré pour bénéfice des habitants de l'île, ça des îles. Merci. Merci, honorable ministre Finances. Merci, monsieur Speaker. Merci, honorable, pour question. Monsieur Speaker, tout projet est prioritisé par mon ministère, département et l'agence concernée, et qui gagne après un cli dans budget. Nous déjà au courant que, par exemple, département gouvernement local, il discute à travers bon l'administrateur district tous autres projets qui en ont demande et qui ça après ils gagnent réflecté dans budget. De plus, il y a aussi un ensemble de budget district small project qui tout district il gagne 1,2 million qui aussi inclut Zilpos. Ça il gagne fait aussi par l'agence transport de la terre SLTA qui regarde besoin tout district inclut Zilpos et ça il après gagne prioritisé dans budget. Alors nous croire qui déjà en a une distribution équitable, mais c'est une question budget et priorité qui détermine distribution. Si nous voyons l'année 2017, 9,9 millions de roupies ont été dépensées contre un budget 21 millions de roupies avec mon projet Zilpros. Et l'année 2018, un somme 30,7 millions ont été dépensées. Pour l'année 2019, un budget 32,3 millions. Il a fait provision pour plusieurs projets Zilpros. Par contre, nous payons bientôt comment ce travail le budget 2020. Nous avons travaillé avec l'agence concernée pour assurer que Zilpros continue à gagner sa l'attention nécessaire. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Honorable Churchill Gill. Merci, ministre, pour la réponse. Mais seulement, depuis l'Assemblée a commencé en 2016, il y en a une quantité de choses qui m'ont amené devant l'Assemblée qui en relation avec le budget. Je comprends que oui, tous les ans, le gouvernement a alloqué le budget avec différents ministères, mais il y en a quelque chose qui, peut-être, le ministre devrait prendre en compte, même s'il y en a une bonne grosse somme qui donne. Question c'est combien qui gagne dépenser l'os il pose et ça mon cas garantie ou pour dire il pas peut dépenser sa pourcentage qui nous croyons devoir dépenser. Ma donne nous l'exemple si depuis le budget peut gagner alloqué il pose qui peut bénéficier qui manière aujourd'hui nous 2019 et nous pas encore capable gagner vehicle testing le pralin et maé depuis 1996 ça a fini gagne faire. Si nous pouvons gagner budget en 2016, un meeting qui gagne faire, tous les deux honorables qui représentent Pralin qui là, l'Olandfield nous gagne dit pour dire nous pouvons gagner spike machine, même si budget peut gagner alloqué, ça aussi pas encore jamais arrivé. Zilev, il gagne son comblage, il finit et Jimoun, il commence premier Jimoun qui d'entre les Zilev, il y en a 15 à 16 ans d'ici. Aujourd'hui 2019, nous pouvons pousser pour l'infrastructure, les élèves gagnent faire.
Et l'année passée, Bidze qui nous mettait dans l'année, il n'a pas pour assez à cause d'une gagne pour faire par phase. Et l'année prochaine, pour gagner mettre, et nous avons nou, tous nos bandits qui nous aller, qui en a une idée comment son petit business les élève, et les autres pour besoin espérer à cause de l'infrastructure pour qu'on fait. Alors ça a montré pour dire, même si on a sa bande Bidze qui gagne à l'oquet, je crois que nous besoin voir à cause qui prend l'un, pas gagner priorité, après tout ça l'année qui Bidze peut gagner faire. Nous avons un problème de drainage dans Marizane. Quand la pluie est tombée, le drainage de l'eau est monté partout. Non, même si vous êtes SLT, vous avez Bidze, si vous sortez de Saint-Anne jusqu'à Côte d'Or, vous avez besoin de masse de bois semaine, n'a pas de territoire, pareil partout, il y en a. Ça a montré pour dire, allocation Bidze, oui, vous avez fait, mais seulement, quand priorité concernée, nous pas pour dire qu'il pose, peut bénéficier. C'est pour ça raison que sa question est venue. Si ministre quoi, il dit moi pour dire aujourd'hui quoi, pour dire allocation Bidze bien, mais mon quoi ministre, nous besoin autre façon qui si bien pour aller nous voir nos bénéfices qui nous devrait gagner. Merci. Merci ministre. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Honorable, pour ce détail qui vous donne. Honorable, l'Osaban qui vous mentionne, Vehicle Testing Station, Spike Machine, le Landfill, l'infrastructure, l'élève, la liste qui moi a avec moi, en effet, mon power li apparaît du tout, mais mon pekozou 2017-2018 et Bidze 2019. Ça qui m'a pour l'éducation, il y en a plusieurs posés. Healthcare Agency, Public Health Authority, National Sports Council, Ministère gouvernement local, Département d'infrastructure, Land Transport Agency, un bon préposé, département de la police, SAA, avec Seychelles Tourism Board. Donc, ça bonne posé qui vous mentionne, il semblait moi, il pas de capture. Mais ça qui m'a dit, il faudrait nous noter que VTS, a Vehicle Testing Station, ça nous pouvons faire ici, qui nous donne lui son priorité pour 2020, dans le budget 2020. Nous, dans la finance, nous pouvons faire ce qui nous donne lui son priorité. En ce qui concerne sa Spike Machine, mon pas qu'on son l'état d'avancement. Moi, mon rappel, étant moi qui viens de l'Assemblée, nous avons cause un budget supplémentaire pour le département de l'environnement pour faire venir un compacteur pour mettre le landfill Providence pour écraser mon décès. Et je te pose ma question à cause de mon problème. Je te dis, ça y est, une machine, quelquefois nous cas immobile, quelquefois envoyer un coup là-bas. Mais de toutes les façons, ça pose aussi il en a un retard. Je fais sa bonne remarque simplement à cause de parler. Je remarque qui beaucoup posé, pas juste pour il pose, quelquefois il y a un peu plus compliqué, là, il pose, mais beaucoup posé. Nous, dans le ministère des Finances, nous voyons que si tout le monde pose capital, son rate of absorption est vraiment limité, très pauvre. Il y en a certains ministères qui ont plus de difficultés que les autres, et nous réalisons qu'il y a une difficulté. Mais ce qui nous besoin faire, nous besoin faire ici, que le ministère qui est dans sa responsabilité, par exemple, toute l'infrastructure, dans ces cellules. Il besoin passe à travers le ministère de l'infrastructure. Il y en a un ministère de l'infrastructure. Donc, tout besoin passe par lui. À cause de nous, pas capable de c'est à qui fait un bout, qui prend un désordre. So, le temps nous fait la case, le temps nous fait drainage, le temps nous fait ses mains. Tout ça là, il besoin passe à travers sa ministère. À cause de lui, il y en a compétence. Lui, il connaît.
il compte bon coût normal à peu près qui contracteur mérite ça etc. So, nous besoin rationaliser ça quelque chose pour faire si nous délivrer. Présent si un du monde il gagne imposé. Mon pays si regarder la loi salalis mon pas pour point hein, en particulier mais si nous gagne responsabilité pour délivrer imposé. Il pas délivré. Dans l'administration, il y en a une façon simple pour dire quelque chose à mon avis. Ou pas faire, ou gagner warning, et ou son safe ou besoin prend sa responsabilité qui ou pas délivrer ça quelque chose. Si ça quelque chose il répète encore même quelque chose, mon coin safe il a présent dit ok là moi mon prend full responsibility quand même ou pas délivrer, mais seulement si arrive une troisième fois out. Ou besoin aller ou pas qu'à rester là. So, moi, mon quoi, c'est bonne discipline. Nous pas payer inventant rien, nous. C'est bonne discipline qui nous besoin faire si, qui bonne dimoun, qui en a bonne responsabilité, délivrer à bonne posée. Tout délivrer sa bonne posée on time. À cause, écoute nous l'argent, écoute nous plus c'est, nous connaît. Il y en a plusieurs posées, qui moi, mon connaît. Il commence 20 millions, après il finit 80 millions. À cause, il traîne, il y a allé, jamais fini. Et il y a un grand coup. So, problème, je comprends le problème. Je comprends à cause où on pose moi sa question pour nous clarifier. Et pareil, mon réponse, je crois que nous avons besoin de plus sérieux dans nous délivrer sa bonne posée, surtout pour bien être bonne zile pose. Merci, M. Speaker. Merci. Merci, ministre. Je suis content de faire appel bon membre pour dire nous on est concentré l'état en termes question nous on a aussi un PNQ qui peut venir et nous prenons une question d'isance mon chat content fini ça cinq questions by midi moins un quart pour qui nous capable continuer avec la restant bon item qui en a nous programme alors mon pour limite la quantité question qui gagne demandé par bon membre ça dit monde qui demande sa question avec un membre de son côté il a fait deux le sac côté. Nous pas pouvons faire plus que ça parce que nous en inconstant le temps et moi aussi demande ministre. Ministre généralement il fait ça bien, il garde son réponse courte et bref et il répond aux questions bien. Alors moi permet honneur à Abgil et puis juste pour celle là parce que mon accepté bon dit mon lève la main, moi pas accepter encore. Il y en a quatre dit monde qui lève la main, le sac question. Mais faire lui bref et ministre à répondre bref. Honneur à Abgil un follow up. Bon. Ministre, merci pour la réponse. En même temps, il est clair pour dire ça bon quelque chose qui pas gagne fait, il n'a pas rien pour faire avec bandi moun qui supposé gagne sa bonne facilité. Et on clair si bien comme quoi qui bon problème y était et là bientôt nous pial dans commence négocier budget pour 2020. Moi quoi nous besoin présent vu que nous conscient qui bon problème y était et présent nous espère assez nous. Les problèmes peuvent accumuler là, nous pouvons espérer là-bas. Alors, je respecte que là, les nouveaux budgets, ils compilent, nous voient pour dire certaines bonnes choses. Finalement, ils vont entrer le budget pour nous capables de battre l'histoire et la clarté pour Zilpos. Merci. Merci. Merci, Honorable Gil. Ministre, je crois qu'il prend note, nous allons au Honorable Woodcock. Monsieur Speaker, c'est la même année que l'honorable Gale in demandé. Côté concerné, ministre, nous issue, nous parlons, c'est côté concerné aussi, Zilpos, la digue, et côté concerné, bonne pose capital. Allocation tous les débits qu'ils ont donné, ils passent. Plusieurs exemples, nous avons donné une cause élève qui a besoin de 30 millions pour mettre l'infrastructure en place pour distribuer la terre avec les habitants, dans les autres posés encore, gymnasium, poser ses mêmes pasquets, qui dit une petite allocation qui a été qui pour faire que ça pose pour finir dans encore. Il prend plusieurs années avant que ça me pose pour finir. Alors, question peut demander, c'est qu'à cause que le ministère n'a pas considéré, qui a posé capital, qui
paramount, bon projet qui important pour les habitants parlent, qui ont mis plus allocation de budget pour nous finir sa bonne projet, ou les que nous besoin espèrent beaucoup plus d'années avant de sa bonne projet et terminer. Ça y est aussi un clé projet que nous espérons pour plusieurs années pour faire breakwater ou soit rock armoring la côte qui est affecté avec l'érosion. Et finalement, c'est vraiment sa question. Dans les passés, tu as une proposition pour en un plan de development board, un plan de development fund. Paris, il est cas à dire, et Paris, il est cas d'aller passer. Quand nous parlons, il y a un board qui va avoir une allocation pour nous déterminer qui va poser important, qui nous sentir, nous besoin, nous disons que nous avons pris une décision, nous avons un l'argent pour nous capables de mettre sa bonne projet capital et important en masse. Alors, qui arrive avec sa plan development board? Merci. Merci, honorable Woodcock, ministre. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, honorable. Honorable, mon noté, mon croyant important qui nous fait allocation budget qui pour plus correct, qui pour plus distribuer. Et en même temps, nous besoin tenir en compte capacité implémentée à bonne posée. Mon réalisé qui l'OEV, infrastructure, très important. Et mon professeur qui m'a contacté, ministère de l'infrastructure, là, l'étant mon sorti là. Pour moi, regarder quel était l'avancement, ça aussi était avec Industrial Estate Agency, pour nous regarder qui manière nous avons fait à poser à le plus vite. En ce qui concerne le Plan Development Fund, l'ISON, la loi, il y a un repeal, soit une disparaître. Mais il a continué à faire son contribution, et pareil, on connaît ce qu'il nous peut faire si il fait son contribution à travers BIDZE. Donc, ça y a quelque chose qui nous a besoin de mettre un peu l'ordre là-dedans. Donc, nous repilons sa Praline Development Fund Board. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Honorable Sébastien Pilet. Merci, M. le Speaker. Bonjour, tout le monde. C'est un Praline qui est dans la galerie. Bonjour, tout le monde Praline. M. le Speaker, je vous félicite, honorable Gil, pour sa question qui est menée à cause il est un point important. Est-ce que le ministère pas peut envisager revoir planification, développement, le banzil pros, prenant compte de conseil qui peut gagner levé aujourd'hui et la façon qui bonne allocation budgétaire gagne faire pour faire qui malgré qu'on a bonne posé national qui gagne prendre le niveau national il y a en une planification plus direct qui gagne faire le bonne posé spécifique qui bonne habitants pralin y besoin tel pareil honorable qui demandé est-ce que le ministère pareil pour mettre à disposition bonne desk officers qui va travailler spécifiquement pour regarder si ça a un projet spécifique, peut gagner un clé de bon budget respectif qui le ministère peut préparer. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable ministre. Merci, M. le Speaker. Oui, mon confirme, nous pouvons donner l'attention spéciale. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Honorable Nolin Sovola. Merci, M. le Speaker. Bonjour, ministre. Tout le monde honorable, tout invité de Saint-Anne-Parlin. Et tous habitants la digue exil pour vous. Ministre, 1,2 million qui gagne mette pour poser une island. Pareil, honorable Grand Transparent dit, définitivement, il passe. Peut-être m'ont demandé qui dans Bidze là, en nous revoir, qui manière nous capable d'augmenter. Sinon, dans Bidze, à cause. Peut-être ou ça y ou domaine ou connaît si ou capable faire ou bien non à cause salazan il pas gagne cassé nous dit pour dire ça l'année la digue il y en a ça quand on se parle ça la digue ça il pour plus facile pour nous moniteur et là nous poser nous pour connaît pour dire dans salazan ça poser pas gagne faire qui peut arriver avec. Mon déjà demandé ça qui m'ont peut demander là de Bidze et là il pour faire troisième fois qui m'ont peut demander s'il vous plaît en nous essayer écouter parfois à cause nous pas prend ça qui nous gagne dit. Mon question est ministre qui mécanisme qui au ministre sorry moi on pas peut écouter ministre qui mécanisme qui au ministère y en a en place pour moniter la façon qui ban posé, il gagne faire et l'argent il gagne distribuer dans sac district. Merci. Merci honorable Sofola ministre.
Merci, Monsieur Speaker. Merci, honorable, pour question. Non, si vous croyez, on va peut écouter, moi, tu peux compter combien poser qui en a pour la digue, à cause effectivement, il y a un bas secteur, par l'éducation, moi, la digue, là. So, il y en a plusieurs. Il y en a la digue primary, il y en a la digue secondary, en bas healthcare, il y en a Logan Hospital, il y en a Remedial Works, la digue hospital, Public Health Authority, il y en a la CAS, and so on. L'Union Estate, en bas département d'infrastructure, et ainsi de suite. La digue police station, que nous mettons go somme là avant, et mon connaît qui s'est posé ongoing pour le moment. So, il y en a certaines choses qui peuvent arriver. Ça, 1,2 million, il peut ben petit poser. C'est y a un petit somme là avant, si vous voulez, mais il peut ben petit poser dans mon district. Mais il pas fait, il pas fait partie en plus qui ça capital projects qui nous pourront, hein. Mais moi va demander mon département finance faire si nous break layout comme ça il va plus facile même pour moi regarder. Alors qui mécanisme nous en a? Par où qu'on est dans le ministère finance, nous en a nous un département qui tous les trois mois il a fait bon assessment. Et après, il va rapporter avec moi, et après, moi, m'amène ça, Cabinet of Ministers, qui veut dire, il y a un système que tous les trois mois, pour ces trois mois qui sont passés, nous sommes capables d'avoir l'avancement bon posé. Et c'est là qu'il nous dit avec mon ministère, regardez, où là, on achève 5% de sa budget qui nous donne. Présente, donne-nous timeline qui on a pour faire, pour compléter. À cause de nous réaliser, il y en a une quantité de bottleneck. Et les autres qu'on aime, on est déjà venu ici dans l'Assemblée pour demander un budget supplémentaire. Nous avons besoin de faire petit dans Capital Project, mettre dans Recurrent. Il y a quelque chose qui nous pas content de faire. Ouais, mais nous avons besoin de faire. À cause de nous remarquer qu'il y a l'argent pour rester, quantité l'argent pour rester, et bien poser l'infrastructure, bien poser nécessaire dans le communautaire, pas pour gagner faire. So, nous sans nos systèmes, et système, c'est qu'il rapporte all the way jusqu'à conseil ministre, au cabinet de ministre, il est au courant, et sa bande ministre qui l'a, il prend responsabilité pour vous aussi suivre les autres bandes ministères pour délivrer l'opposé. Merci, monsieur Speaker. Merci, ministre. Honorable Weaven William. Merci, monsieur Speaker. Bonjour, ministre. Bonjour, tout bon invité, sorti à parler. Ministre. Mon écoute avec beaucoup l'attention et mon aussi regarde question que nous avons demandé. Ministre, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec le développement, la façon que Zil pose, les lanzotines prend, pas une lettre pour le gouvernement reconsidère la façon qui structure, qui manage le développement de Zil, Zil pose gain fait. Par exemple, pas une lettre pour peut-être en un ministère spécifiquement pour ban zil pose que développement et ban décision va plus focaliser côté avant un dimon qui assiste dans cabinet of ministers pour capable cause pour ban zil pose en même temps peut-être pour ban les autres ban zil éloigné. Merci. Merci honorable ministre. Monsieur Speaker, merci honorable pour sa proposition. Pareil où qu'on est aujourd'hui, sa responsabilité tombe en bas bureau vice-président pour Banzil Pros, mais il y a quelque chose qui m'a abordé avec lui demain dans le conseil ministre et moi va donner un feedback après. Merci. Merci, ministre. Nous parlons aux prochaines questions, honorable Gill. Merci, Mr. Speaker. Vu qu'il y a un budget 2019, il y en a une somme 34,9 millions roupies qui nous gagnent budgeté pour payer subscription fee dans l'organisation internationale qui s'est affilié avec. Est-ce que le ministre est capable de dire avec ça l'Assemblée si ça l'exercice pour revisiter ça la liste pour identifier lesquelles l'organisation qui s'est peut vraiment bénéficier et combien nous besoin continuer à payer pour affilier avec autres pour 2020 et lesquels qui s'est pas vraiment bénéficier qui nous besoin de discontinuer payer, payer sa bonne fees et combien savings que le gouvernement CCL pour faire
en retire nos affiliations avec sa bonne organisation, et ce qui, à l'avenir, analyse plus au profond pour gagner faire avant que le gouvernement Cécile n'y entre dans aucune affiliation avec une organisation internationale pour assurer qu'il vraiment en a bénéfice que Cécile est capable de bénéficier. Merci, honorable Merci. Ministre. Merci, Monsieur Speaker. Merci, honorable, pour question. Monsieur Speaker, nous nous souscrivons avec 189 organisations internationales et ça, environ 34,9 millions d'ambidze pour payer une subscription fees. Il inclut subscription toute l'organisation qui tout bon ministère, département et l'agence inclut législative et judiciaire y fait avec. Ça y est géré par le département des affaires étrangères qui fait analyse le mérite pour entrer ou soit rester dans l'organisation internationale. Bon l'exercice auparavant, qui n'a fait, il est très difficile. Envie qui tout bon département, il continue à avoir l'utilité pour continuer notre membership qu'ils ont en an avec sa bonne organisation. Justification, qui n'a donné, il soit la bonne coopération qui nous bénéficie avec tel pareil training, affiliation technicale, ou soit pour raison politique dans la région qui nous a tassé avec sa bonne organisation. Nous expectons un autre exercice pour voir l'utilité continue de sa bonne organisation pour gagner faire vers milliers l'année. Et ça, il pourra après gagner réfléchir dans Bidze 2020. Merci, Monsieur Speaker. Merci, ministre. Honorable Gill. Merci, ministre, pour la réponse. Basé sur la réponse, il y en a une nécessité qui salalise, qui l'Assemblée gagne salalise, mais seulement breakdown de façon qui s'accabane différentes entités qui affiliées. En même temps, mettez telle entité, il paye tant, et là, la bénéfice qui nous peut gagner. Nous avons ça détail et ça y a aidé nous pour les budgets finis. Nous sommes capables aussi d'être pris bonne position pour nous prendre une bonne décision importante. Merci. Merci, honorable ministre. Merci, monsieur Speaker. Merci, honorable. Oui, honorable, moi, la liste là, est colorée. Et mon quoi, il va répondre à sa question qu'il nous posait. Et moi, va faire ce qu'il sait après-midi, une fois qu'il m'en retourne dans mon bureau avec l'Assemblée. Merci. Cinq. Éclaircissement. Éclaircissement, ministre. L'eau salariale qui l'Assemblée peut demander, sa entité, après combien nous peut payer, après quoi qui nous bénéficie. Il faut déjà avoir une information pareille pour nous capables de faire nous pour passer semaine de l'eau. Merci. Ok, merci. Mon quoi, ministre, prend note. Lola. Bon, de sa cas, nous pour aller au prochain question, numéro 6. Par honorable Gervais Henry, membre pour Mobixon. Merci, Mr. Speaker. Encore une fois, bonjour tout le monde. Est-ce que le ministre pour Finance est capable de donner des détails à l'Assemblée le rôle Unit Fraud Investigation de Internal Audit Services? Qui quantité cas? Vous avez fait l'enquête là-dedans depuis son création et qui résultat sa bonne cas? Merci. Merci, honorable ministre. Merci, Monsieur Speaker. Merci, honorable, pour question. Monsieur Speaker, sa unit dans division Internal Audit, qui s'est créée en février 2013, y appelle section investigation et non pas fraud investigation. Peu importe, depuis qu'il a créé, sa unit tient en 4 staffs et il s'est encore 4 postes additionnels, mais jusqu'à aujourd'hui, sa bonne poste n'est pas encore remplie. Raison pour créer sa unit est comme suivant. Premièrement, demande pour faire l'investigation par Internal Audit, tu peux augmenter. Staff, tu peux demander pour deal avec bonne information très sensible et confidentielle qui est capable d'affecter business gouvernement et aussi en l'impact de la vie personnelle de travailleurs dans le service public.
Troisième, pour assurer qu'Internal Audit est capable d'implémenter et compléter son bon plan sans gagner l'interférence avec bon cas l'investigation. Quatre, pour capable manier et délivrer bon assignments qui gagne demandé de temps en temps par PS ou bien ministre Finance qui pour aider ou support management ministère Finance dans bonne décision. Monsieur Speaker, rôle sa unit, c'est pour faire l'investigation le bon cas qui en suspect fraude et faire l'investigation le bon cas qui gagne identifié l'air et faire l'audit. Depuis son création, en février 2013, à la demande PS au ministre Finance, sa unit in gagne 66 demandes. 51 cas, in fini gagne travail Lola et rapport in gagne faire. 2 cas, in gagne suspend. 5 cas, y en progrès et 8 cas, pas encore travail Lola. Monsieur Speaker, demande pour faire l'investigation Losa Banca est suivant. Assessment le bon cas qui suspect fraude in gagne commet par officier service public. Assessment le bon coût financier, le bon décision stratégique fait par gouvernement, tel qui outsourcing, avant et après qui sa décision in gagne fait. Pour déterminer la cause pour rapport bon perte et l'argent manqué ou bien bon asset public et aussi vol. Assessment le factualité. Le bon l'information et rapport fait par bons officiers accounting de bon MDS. Assessment le bon gros claim fait par bon fournisseur, contracteur, compte gouvernement. Et vérification physique, il gagne fait le bon assets, l'éventaire, stock, etc. Entreprendre bon l'investigation détaillée, le bon areas qui gagne identifié, les temps qui peut faire son système audit. Évaluer bon perte, le bon asset, le en public identifié par bon MDS. Monsieur Speaker, dans bon cas qui complété, trois, y avec département la police, N, y avec commission anti-corruption, et N, n'a pas raison pour faire plus d'investigation à cause ça dit moun qui tient sa as, malheureusement, une mort. Et dans certains cas qui concernent bon claims, sa bon cas, il gagne rectifié. Il en a certains aussi qui gagne mettre à l'attention comité audit gouvernement. Merci, Monsieur Speaker. Merci, ministre. Merci, Henri, tenant supplémentaire. Oui. Merci pour la réponse. Ministre Ndi nous dit depuis février 2013, il y en a un total 66 demandes qui sa unit a demandé pour faire l'enquête. Sur mon avis qu'on est sa 66 cas, combien qui somme l'argent nous peut causer là qui in enjeu de sa 66 cases et après mon vie qu'on est si satisfaction gouvernement vis-à-vis performance sa unit lui-même mon reconnaît il dit qu'il y en a bonne position encore vacante mais ce qui gouvernement il senti pour dire sa unit vraiment peut travailler d'après son performance qu'il a peut faire ou qui manière est capable gagner quoi qu'il a gagné fait encore pour améliore son performance. Merci. Merci, Honorable Henri. Ministre. Oui, merci, Monsieur Speaker. Merci, Honorable, pour sa question. Moi, n'a pas exactement un chiffre total, mais moi, en détail, tout, sa bonne rapport qu'il gagne fait et son outcome aussi, y inclut bonne somme l'argent. Qui ne gagne claim et finalement bonne solution qui ne gagne fait par exemple moi donne un pour comprendre tu en as un claim fait par un compagnon car
pour 368 920 roupies. Mais finalement, après qu'il sa unit dans Internal Audit, fait son investigation, claim qu'il n'a pas payé 33 650. Donc, so, donnons-nous ça l'exemple numéro un, pour montrer que sa unit in performe remarquablement, mon croire, à cause de Nobu fait 66 cas. Et en plus, regarde premier résultat, quand Nobu sauve une dépense gouvernement pour 300 000 roupies. Et il continue ainsi de suite. Ça bon cas comme ça. Pas tout cas qui nous a une solution. Il y en a des cas, quand pareil, on dit qu'on a besoin d'arrêter à cause de la mort. Mais aussi, nous réaliser qu'il nous a besoin de faire certains les autres travail pour faire ceux qui travaillaient. Il gagne récompensé. Nous fait un review scheme of service pour sa unit, Internal Audit Department, this investigation unit. Et là, nous pouvons recruter à cause de nous réaliser, nous avons un manquement aussi d'un auditeur qualifié, nous pouvons faire recruitment à l'étranger pour nous mettre du monde qualifié, pour nous faire ce qui sa unit continue performe à cause de mon senti, j'ai un peu overwork là, avec tellement de demandes qui nous en ont. Même là récemment, nous avons besoin de faire encore une intervention assez vite dans une section, quand nous sentons que fois il y en a un problème. Et c'est ça la raison à cause d'autres là. Sur le moment satisfait avec votre performance, moi capable que fois ajoute tout ça bonne quelque chose et après dit où donne un chiffre final le tout ça bonne 66 cas. Merci Monsieur Speaker. Merci Ministre Honorable Sébastien Pilet. Merci Mr. Speaker. Moi je peux demander des questions. Première question, Ministre de répondre, renforcer sa unit qui peut faire sa travail. Mon deuxième partie de mon question, Monsieur le Ministre, c'est prenez en compte qui sa unit y a pas running mais fonctionner. Qui lien sa unit y en a avec sa même département qui lien avec des fraudes dans la police. Est-ce qu'il y a un cas qui a été fait avec la police pour faire un travail d'investigation plus approfondi qui a pris une bonne question qui pourrait mener devant l'attorney général. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable ministre. Oui, merci, Mr. Speaker. Oui, l'ISA Unit, lui, pour faire son investigation et après, il soumet ce rapport avec le secrétaire principal finance et moi-même. Et c'est à ce moment-là, définitivement, si nous voyons, il y en a un cas pour faire référer avec la police, avant qu'il y ait un référer avec la police et la police il take over présent son investigation. Et pareil, je mentionnais dans la réponse, il y en a trois cas qui sont aujourd'hui avec la police. Hein? Et mon capa, si vous voulez, rapidement, si mon bateau perd le temps, il y en a un cas quand il y en a un suspected forged payment qui est avec la police. D'un département gouvernement, so, ça y est avec la police. Il y en a un autre cas qui involve même un département dans le ministère des Finances, qui est un cas contre la police, aujourd'hui, peut gagner finaliser. Et il y en a un autre cas contre un autre agence gouvernement aussi, il contre la police même. Ça y a Unity joue un rôle clé, mon senti. Et nous faire les suivis. Et je connais que la police aussi, il y a l'ordre pour lui faire ce qui s'abandonne. Qu'est-ce qu'il y a gagné en main en cours et il gagne finaliser le plus vite possible. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre honorable Clifford André. Merci, M. le Speaker. M. le Speaker, ministre Indi, nous, il y en a un cas qui coûte une entité et la police, normalement, elle était en mettant complet de côté, le ministre, confirme ça avec moi, qui a besoin d'être complénant. So, ministère finance, il vient sa complainant, si mon père est bien. Et puis, le temps d'autre, il met sa complainte contre la police, par exemple, il y a une contre anticorruption, à cause qui, ou bien est-ce qu'ils ont fait follow-up pour permettre un closure, ou bien conclusion, ou bien prosecution avec sa bonne caisse, ou bien juste à cause d'un transfert avec la police. D'autres quittent la police, ou bien à cause du code anticorruption, d'autres quittent là-bas même. Il a fait des ans, après ici, il fait un natural death, comme si non, rien n'est pas arrivé. Mais c'est moi ça,
employé qui dit qu'il fait une touche balier ou bien une pointe patatine à la vie côte li li gagne condamné gagne poussé li. Merci. Merci honorable André, ministre. Merci monsieur speaker, merci honorable pour sa question. Oui, nous senti parler qui ban ka comme ça, nous besoin faire follow-up à cause parler itade pour son case file lui-même à côté procureur général, il attend un peu aussi côté procureur général. So, nous continuons à mettre sa pression nécessaire. Et en effet, dans sa trois cas qui m'ont mentionné là, il y en a au moins un cas qui m'ont senti. Il peut prendre trop beaucoup de temps. Merci, monsieur Speaker. Merci, ministre. Juste pour l'information, si tous nos bonnes visiteurs sortent de Preserve Seychelles, je connais une ville spécialement pour sa PNQ ou bien. Oui, PNQ. D'après mon calculation et la façon que nous pouvons aller, je ne sais pas nous pouvons pas prendre PNQ avant des heures. Alors, mon président s'informe qui, avec moi, nous pouvons aller. Si vous décidez pour vous tourner des heures, bien, vous êtes welcome pour vous rester continuer avec. C'est moi, juste pour l'information, juste pour vous être capable de planifier vous les temps. L'autre question qui nous en a, c'est on est suivi ou on a abandonné? Papa Poulong, juste pour demander avec le ministre, Saban, qu'est-ce qui a rapporté là? Qui casse le temps, il y en a qui sort de côté d'autres? S'il y en a un mois, deux mois, trois mois, trois ans, des ans, juste pour une petite indication, merci. Merci, ministre. Oui, merci, monsieur le speaker. Il semblait moins c'est là qui pliviait, il y en a plus qu'un an. Merci, monsieur le speaker. Merci. Nous parlons directement de l'autre question, honorable Gervais Henry. Question, il est comme ça. Est-ce que le ministre pour finance est capable de dire avec ça l'Assemblée combien l'argent par mois qui sorti dans le budget national et quand il servi par différents ministères, départements, l'agence ou bien la compagnie paraïtatique pour payer United Seychelles pour louer la terre, bâtiment ou soit l'office et lesquelles sont les entités gouvernement qui peut faire ce bon paiement avec United Seychelles? Merci. Merci, honorable Henri, ministre. Merci, monsieur le speaker. Merci, honorable, pour question. Monsieur le speaker, il y en a des entités gouvernement qui louent l'office United Seychelles. Ça, c'est National Youth Council qui peut louer un Youth Bureau et qui peut payer 3 000 roupies par mois. Dernier paiement, c'est qu'on fait en mars 2018. L'autre entité, le ministère de l'Éducation, qui peut payer 7 000 roupies par mois pour la case, pour un enseignant de l'école secondaire, l'Opralin. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Est-ce qu'on a une question supplémentaire, honorable Henri? Oui. Procède. On va content, ministre. Il confirme avec nous l'Assemblée. S'il y en a aucun MNE actuel ou bien les passés qui zote l'office et propriété US, et si ça est le cas, combien alors qui ça participe bénéficier à travers Bidze pour payer sa bonne l'office? Et deuxième question, est-ce qu'il y a l'intention gouvernement pour établir la loi pour assurer le linking entre partis politiques avec le gouvernement à l'avenir, pour assurer plus bon éthique gouvernance? Merci. Merci, honorable ministre. Merci, monsieur le speaker. Merci, honorable. Honorable, la première question, mon n'a pas ça l'information, mon supposé, quelquefois, dans l'administration, l'Assemblée nationale, autres même, quelquefois, autres avant, on a cette information. Mais moi, on n'a pas cette information-là. L'autre, oui, délinking, nous finissons faire délinking. Depuis qu'il y a une décision, quand il prend tout délink, nous délink. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Nous parlons de nos prochaines questions, honorable Henri.
L'autre question, il est comme ça. Est-ce que le ministre pour finance est capable de donner des détails à l'Assemblée de la quantité de l'argent Seychelles Trading Company in pay United Seychelles comme allocation pour son hardware dépôt depuis l'aise à la compagnie in commence louer sa l'endroit jusqu'à en 2018 et combien l'argent en retour United Seychelles in contribué dans le coffre l'État en travers taxes qu'il paye SRC en relation avec sa transaction. Merci. Merci, honorable ministre. Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, Total qui est ici in pay United Seychelles pour rent depuis septembre 2013 jusqu'à juin 2018, quand il y fait dernier paiement, il arrive 38 673 318 roupies. Monsieur le Speaker, en ce qui concerne taxes, SRC in Zouen et que représentant United Seychelles et ZOP travaillent ensemble pour qui SRC y a capable de faire son assessment, le tout bon revenu qui United Seychelles a collecté depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, ministre. Question supplémentaire, honorable Henri. Merci, Monsieur le Speaker. Moi, je suis content que le ministre confirme les dans nous parce que sa somme et pour lesquelles propriété exactement saisit de peau ou soit si il y en a aucun adjacent property next to it qui sa paiement il font partie. Et deuxièmement, est-ce que le ministre peut confirmer qu'il est parti politique qui dans l'Assemblée et qui forme partie du gouvernement in, mon pour service à moi, si depuis 2013, vous avez besoin de négociations, basically, il vole le gouvernement pour ne pas payer taxes depuis 2013, qui SRC a besoin d'entrer dans des négociations pour faire un paiement depuis qu'il est supposé faire depuis 6 ans passés. So, un parti qui dans l'Assemblée, qui dans le gouvernement, il peut voler le gouvernement. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Merci. Merci, honorable ministre. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, honorable, pour vos questions. Honorable, ça somme 38 673 318, y inclut rent pour sa bâtiment et sa parcelle qui nous colle là. Il y a parcelle 101-104, mais il y a aussi inclus un parking. Il y en a un rental ou un parking qui l'a même là au bord. So, il y en a deux revenue streams nous pouvons causer là. So, ça, il, pour première question. Ou deuxième question, si moi, je comprends sa situation, c'est que l'étant auditeur général, il fait son investigation, c'est à ce moment-là que SAC, il comprend que tu as un bon revenu, que tu peux gagner payer. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire cet assessment. Alors, ils ont un idée combien de revenus ils gagnent. Mais c'est eux qui ont besoin de déterminer, par exemple, combien de taxes qu'ils ont pour besoin payer, que United Seychelles pour besoin payer. À cause pareil, vous connaissez le temps où l'ordre du claim, ou bien l'ordre du assessment, il y en a un bon coût aussi qui a déduit l'eau revenu. Et moi, mon papa connaît combien l'argent, c'est pourquoi mon papa donne un chiffre, à cause mon n'a pas sa chiffre. Et ça, si lui-même, officiellement, il peut encore saisir United Seychelles, l'eau son taxe, arrears, si vous voulez. Pour le moment. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, merci, ministre. On a honorable Sébastien Pilet. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, United Seychelles demande pour payer son taxe à cause comme une entité. Si il n'a pas d'aucune activité business, il a besoin de payer son taxe. Now, question qui l'Assemblée demande, mon quoi, puisque c'est loi, il a besoin, ah ouais, c'est.
est-ce qu'il basé sur sa question previous de linking, est-ce qu'il est normal pour un parti politique en gaz de business avec le gouvernement depuis 2013 et nous, le gouvernement a décidé pour lui de link avec sa practice contre aucun parti politique pas engagé dans l'activité business avec le gouvernement, mais pas empêcher un parti politique à gazer l'activité business avec entité privée. Likewise, il peut aussi y avoir un individu qui ne forme pas un parti politique qui peut engager dans l'activité business avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a dans ce contexte, ça va nous dire aussi, pour qu'on demande pour les autres des links, ou bien les autres aussi pour continuer lui avec le gouvernement? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une figure qu'on donne nous là, par exemple? Il y a une cassette somewhere ou bien c'est accessible pour qu'il y ait l'information qu'il a collecté là. Est-ce que United Seychelles s'il montre pour dire pas peut coopérer avec SRC ou bien pas peut coopérer avec l'auditeur général? Comme si moi je suis à cause d'un statement qu'il a fait à l'Assemblée comme quoi qu'il y a un vol. Ok? Non, il y a un statement qu'il a fait. Mais on peut pas faire une allégation sans qu'il nous le sache côté de la table, ministre, il y a un sens expliquer. Quoi exactement qui est arrivé et quoi qui peut passer? Moi, je ne connais pas la cause, je suis en colère. Mais je ne comprends pas avec les autres. Les autres, ils ont toute l'opinion juste pour les autres. Ils ne sont pas les personnes dans l'opinion opposée avec les autres. Mais pas qu'un dictateur, est-ce que ça n'est pas vrai? Address the chair. Address the chair. Fais une question spécifique. Ok, moi, je vais address the chair. Fais une question spécifique. Merci, Mr. Speaker. Order, s'il vous plaît. Mr. Speaker, nous. Question spécifique pour ministre. Il est important de nous faire clair quand nous stand. Quand nous stand, nous, s'il n'y a aucun taxe qui devait être payé, il peut gagner payé. Ça est clair, ça. Si pour gagner payé, il besoin gagner payé. Ça qui nous demande, ça qui nous demande, nous, c'est est-ce qu'il s'abonne l'information, une toute accessible pour SRC? Et est-ce qu'il y a un procédé normal quand SRC, il fait un assessment, l'eau, tax liability qui est une entité en an? Et si ça entité, l'air ou gagne finition tax liability, l'ENI besoin payer en bas la loi business tax. C'est tout qui mentionne en clarification. Merci. Merci, monsieur. Ministre. Oui, merci, monsieur le speaker, merci, honorable. Oui, mon cas confirme que l'auditeur général, étant en entreprendre son revue, il gagne coopération, full coopération. Et mon cas qui tout bon sif in gagne donné. Je ne crois pas qu'il y en a aucun quelque chose qui gagne cassette. Mais l'importance pour moi souligner, c'est qu'un parti politique, n'importe parti politique, il pas gagne exempté taxe. Il pas aucun schedule exemption taxe. So, si y en a un bon business commercial qui sa parti politique, entreprendre, c'est-à-dire qu'il y a une licence et il gagne revenu pour un business commercial, taxe, il a besoin d'un assessment, il a besoin d'un lodge et il a besoin de payer. So, moi, je confirme avec vous que le temps est ça aussi. Il a officiellement saisi United Seychelles son somme qu'il a besoin de payer, il a besoin de payer. Et tout parti politique, si dans business commercial, quand il y a une licence, par exemple, il y en a un restaurant, il y en a une discothèque, il y en a les différents revenue streams qui ont gagné. Il y a aussi besoin de considérer. À cause de ça, si le temps il peut faire son travail, il peut aussi regarder tout sa bonne revenue stream qui peut rentrer. So, United Seychelles, dans sa cas spécifique, il peut besoin de lodge son claim et après il y a gagné assess. Et après, il a payé son taxe. Pareil, tout parti politique besoin de payer son taxe à cause de n'a pas exemption. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, ministre. Honorable Sandy Harrison. Merci, Monsieur le Speaker. Bonjour tout le monde qui l'écoute, spécialement tout le monde qui sont ici pour aller. Monsieur le Speaker, moi, je compte à demander ministre qui m'a dit comment ministre finance avec son DPS qu'il a. J'ai une liste partie. Avec SS qui là, avec PS, excuse-moi, Zotin autorise parti les PEP salétan après 6 ans, et la Zotin vini US, Zotin vol gouvernement 38 millions roupies en termes taxes. Qui m'a dit, Zotin autorise un parti politique faire ça, seulement l'étant un papa qui paye alimony pour son enfant, lui, il gagne monté, montant imposé. Mais gouvernement, lui, il autorise un parti politique
pas payer 38 millions de taxes. Là, on est dans la taxe. Là, on est dans la galerie, on a un businessman qui peut écouter. Est-ce qu'il est relevant aujourd'hui, monsieur le speaker, dans mon cas, demande mon question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est relevant aujourd'hui dans nos pays, l'état président Anifor, peut dire accountability, responsabilité, autres dans le ministère des Finances, autorisent les partis politiques qui n'ont pas plusieurs années et qui ont le pouvoir, et ils peuvent voler Pepsi ces lois 38 millions de roupies, le taxe, monsieur le speaker. Mon première question, taxe l'eau 38 millions ou plus. Ça, mon première question. Mon deuxième question, je suis content de clarifier l'eau là, ça y est important ça. Parce que c'est si l'on a des standards. Nous tranglons un côté, l'autre côté, il y a l'espace. Il faut arrêter dans nos pays ça. Deuxième question. Tous les ans, le ministre financier vient dans l'Assemblée nationale, il y en a une allocation qui est une partie politique qui gagne. Dépendant des autres pourcentages, autres qui gagnent dans l'élection. Monsieur le speaker, c'est mon mal corisme. Parti les peuples, il doit gouvernement, US aujourd'hui, il doit gouvernement, seulement tous les décembre, gouvernement d'Abidze fait provision pour les gagner l'argent. Il doit sa même gouvernement, et sa même gouvernement, il doit l'argent, il donne sa même parti politique, qui doit sa même gouvernement. Comme si c'est corrigement, mais ce speaker ministre, on ne peut pas gagner comprendre. Parce qu'il y a une confusion totale, là, mon chat, quand on a gagné l'explication. Là. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable ministre des questions. On a la parole. Oui, merci, monsieur le speaker. Merci, honorable. Honorable, juste pour moi clarifier, ce moment, quoi, on sait clarifier aussi. Somme qui doit, qui US doit en taxe, pas encore gagné déterminé. Il pas 38,6 millions roupies, il pas encore déterminé. So, pareil, on dit besoin l'autre son claim, il peut déduire certain expenses, et ça, il y a un ouvrage qui est ça assis pour faire, et éventuellement, les temps, ça sont mis gagnés déterminés. À cause si en retard, la loi, il demandait qu'il besoin d'un penalty, il besoin d'un intérêt, qu'il gagne mettre sa taxe, qui sa taxe normale, vous comprenez, so, ça somme nous pas connaît. Mais les temps, il gagne déterminé, il peut besoin payer sa taxe. Bon, ça y est, point de clarification. Présent, les temps nous cause si l'argent que le gouvernement il donne parti politique pour payer sa taxe. Ça, nous, dans le ministère des Finances, nous pas capable faire, nous pas capable faire. SAC est la seule organisation qui a fait ça. Et la loi, il fait ça comme un last resort en bas, ce qu'il nous appelle un garnishi notice. À cause qu'il connaît une taxe qu'il doit, pas payer, et ils ont écrit, nous, ils ont écrit au gouvernement, a dit déduit un certain pourcentage chaque fois qu'on fait un paiement, et d'un mois. Mais ça, nous n'avons pas qu'à faire. Ça, il est fait par commissionnaire général, taxe, et ça, c'est lui-même. Ok, c'est so, comme ça qu'il peut marcher, une fois qu'il s'assomme, il est déterminé, s'il y en a en retard pour payer sa taxe. Merci, monsieur le speaker. Merci, ministre. Clarification, honorable Alsol. Merci, monsieur le speaker. Merci, ministre, pour clarification. Dis mon envie, monsieur le speaker, dis-moi, mon collègue, la table, c'est appelé question time pour nous gagner clarité. L'éclaircissement avec le ministre, le temps d'un dans l'esprit. Il n'a pas appelé misleading. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable ministre. Oui, merci, monsieur le speaker. Monsieur le speaker, je crois que je réponds à une question, mais seulement, moi, je comprends. Qui m'a dit, moi, avec mon lieutenant, nous laissons arriver. Je ne sais pas. Merci, M. Speaker. OK. Honorable Ramkalawan. Merci beaucoup, M. Speaker. M. Speaker, est-ce que le ministre, premièrement, il va capable de confirmer que sa l'investigation qui a initié pour que SAC aujourd'hui connaît, qui peut dire United Seychelles Pan Pay Tax, c'était l'initiative FPSC et qui
si nous patine à l'aide pour commencer l'investigation, quelque chose qui peut continuer sans aucune taxe qui aujourd'hui peut faire ça assessment et qui United Seychelles ça va end up dans une situation côte il peut rester tranquille parce qu'il pas parler qu'il vient devant côte autres pour dire il pas payer son taxe il peut rester tranquille depuis 2013 alors ce qui ça travaille qui n'a rien fait et qui bientôt il y avait un des 3 millions qui va rentrer dans fonds gouvernement c'est grâce à travail FPSC de l'Assemblée nationale. Ça qui t'y demandé, moi va répondre lui, c'est un lettre qui moi t'ai écrit auditeur général et son rapport il a devant moi qui est envoyé code speaker et qui ou comme même FPSC on gagne. Deuxièmement, Mr. Speaker. Deuxièmement, Mr. Speaker, est-ce que le ministre est capable de confirmer d'une façon claire et simple pour tout le monde connaît, comprend, que depuis 2013 jusqu'à 2018, United Seychelles n'a pas payé aucune taxe gouvernement l'OSA 38 millions qui est ramassé. Et dans ce cas, est-ce que le ministre est capable, il est d'accord avec moi, qui au fait, ça pas paye taxe qui United Seychelles, parti politique qui aujourd'hui y a pouvoir dans ce pays et qui est une minorité dans l'Assemblée nationale, il fait exactement pareil ban Irlandais qui ne vient travailler seul et pas paye aucune taxe et qui aujourd'hui n'a pas essayé road nous la en taxe. Merci beaucoup. Merci, honorable ministre. Merci, monsieur le speaker. Merci, honorable, pour sa bonne question supplémentaire qui vous pose moi. Oui, il semblait moi qui aucune taxe. L'OSA 38 millions, pas encore gagné payé. Mais pareil, où qu'on a, bonne partie politique, ils ont besoin de soumettre, ils ont besoin de rapport annuel avec le commissionnaire d'élection et aussi le registre général. Et il n'y a pas, on dit il n'y a pas, qui en a une interprétation, quelquefois, par un auditeur, qui, un parti politique qui tombe en bas, une association. Et alors, association pas paye taxe. Mais ça, il n'est pas correct dans la loi. À cause de pareil, on dit, si une association il peut faire un business commercial, quand il peut gagner des revenus, il a besoin de payer taxes. Et il n'y a pas qui, depuis 2013 jusqu'à présent, il en a sa l'interprétation. Moi, je ne peux pas défendre personne, je peux essayer un peu l'explication pour regarder quoi qu'il n'y a pas arrivé. Mais il est clair, pareil, mon dit, qui ont pour besoin de payer sa taxe, une fois que sa taxe est déterminée par SAC. Et SAC, il peut mettre son pénalty, il peut mettre son intérêt, l'OAIRAL sa taxe. Pareil, il fait avec tout le monde. Ça aussi, la loi y permet. So, voilà, Monsieur Speaker, la réponse qui m'ont capable mené à bonne question qui m'ont gagné poser. Merci. Mon quoi, il peut demander clarification le quand et lequel qui t'y fait initier sa demande avec auditeur général. C'est ça, honorable Mme Calaron?
Oui, merci, monsieur Speaker. Oui, je crois que dans le rapport auditeur général, l'OSACISE, il demandait à une période, je crois, en septembre l'année passée, pour autres, faire un audit. Et c'est ça qui nous déclenche, si vous voulez, ce rapport qui présente une gagne publiée, une gagne circulée à certains du monde. Et c'est ça qui présente SAC, comment son investigation basée là. Merci. Clarification, Honorable McLaren. Yes, Mr. Speaker, est-ce que le ministre est capable de dire avec nous, vu que là où nous avons qui peut dire United Seychelles, in fair business, et il ne paye pas taxes. Est-ce que le ministère y va aussi prendre les autres mêmes pour faire un assessment pour les autres propriétés qui United Seychelles peut louer, qui peut faire business pour regarder si les autres peuvent payer taxes pour les autres propriétés? Par exemple, l'école Montessori en les bâtiments, en les belais qui pour les autres, pour et que ben les autres l'endroit encore, pour regarder si sa partie politique qui cause l'eau accountability, ça veut dire rendre compte, peut actuellement mettre en pratique ça qui les autres professent. Merci beaucoup. Merci, honorable ministre. Merci, monsieur Speaker. Oui, honorable, je crois que Stas, quelque chose est arrivé là. De toutes les façons, SAC, il a rencontré un team dans United Seychelles pour initier une discussion pour regarder quoi bonne activité commerciale qu'ils ont pu faire. Côté, ils ont pu gagner revenu, qui quelquefois, ils ont pas encore payé taxes. C'est pourquoi, mon dit, là, sa bonne discussion qui peut aller, c'est pour gagner tout sa bonne revenue stream, United Seychelles, pour connaître exactement qui sont tax liability dans son, en entier. Donc, ça travail est ongoing, là. Entre SAC, avec, bon, le représentant, United Seychelles, monsieur le Speaker, merci. Juste pour dire, ministre, si parce que FPSC est capable que les autres pour demander une question, est-ce que le ministre est capable, l'état autres fini faire sa assessment, donner une copie avec l'Assemblée nationale, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci, honorable ministre. Merci, monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, je crois qu'il y a quelquefois préférable qu'il nous fasse ce rapport, soumettre avec FPSC. Merci, monsieur le Speaker. Merci, ministre. Honorable de Comarmont. Merci, monsieur le Speaker. Bonjour, monsieur le Speaker. Bonjour, ministre de délégation. Tout le monde, honorable, bon habitant de certains parler, bonjour. Et tout le monde qui l'écoute. Monsieur le Speaker. Est-ce que le ministre est capable d'éclaircir nous? Si pas exprès, qui parti United Seychelles in Panpetax ce soir, audité par omission, par yon expliqué qui t'y croit, l'étant une donne document audité avec bureau élection. Et qui les temps ça in gagne remarqué alors bonne correction peut gagne faire, ça veut dire n'avoir qu'une mauvaise intention. Et en même temps, est-ce que ça l'exercice qu'on gagne demandé pour faire là ou capable faire li pour tout parti politique qui en a de Cécile? Et en même temps, troisième point, est-ce que ça donne avec nous l'assemblée toute transaction gouvernement y fait avec tout bon différentes entités qui concernent surtout louer bon l'endroit, louer propriété. Par exemple, autres louer l'office ou bien l'endroit avec tel compagnie du monde, parti politique, whatever.
donne-nous un bilan pour nous capables, comme si gagner une idée, pour nous voir dans même l'esprit, dans même l'optique, écouter. Non, comme ça, Monsieur Speaker. Non, vous permettez l'ordre, exode? Non, carry on, carry on. Right. Et bon besoin, on peut causer, on peut disturber, écouter, après on écoute. Moi qui en sas, moi qui en sas, discussion, mon permission. Soupi en sas, mettre l'ordre. Un petit moment, on aura bien moment à moi. Bon, dis-moi, il y en a droit. Passe un petit commentaire sans qu'il disturbe. Oui, mais ça est. Ok? Ça qui. Ça pas un commentaire, monsieur. Ça est normal. Ça est tout le temps des ordres. Mais seulement s'il y a un niveau qu'on n'est plus tendu, là, mon pari de discussion, mais continue avec vos questions. Merci. Monsieur le Speaker, voilà mon bon point. Trois quelque chose que m'ont demandé là. Est-ce qu'il y a alors le ministre capable de répondre à trois points? Merci. Ministre? Oui. Merci, Monsieur Speaker, le premier point, oui, moi aussi, mon senti capable qui n'en lance à l'interprétation, l'association va payer taxes, etc. Et ça, il capable les cas, mais pareil, nous clarifier, nous faire les clairs. Si il y en a un commercial, vous avez un license pour faire restaurant, vous êtes payé. Si vous avez un license pour faire discothèque, vous êtes payé. Si vous vendez bois, vous donnez license pour vendre bois, vous payez. Ainsi de suite. Ça, une première. Deuxième, oui, nous capables. Nous pas faire distinction avec parti politique. Tout parti politique, si vous pouvez faire, ça va en activité. Vous avez besoin de payer vos taxes. Et nous pouvons faire ici, qui nous aussi nous vérifier que tout affaire est en ordre. À cause, il y a un seul poids. Dans sa pays, pas qu'en en déploie. So, et troisièmement, Monsieur Speaker, mon PC imaginaire, mon oublié là. C'est il répète sa troisième affaire là. Merci, Monsieur Speaker. Honorable gouvernement. Oui. On gagne. Ministre? Oui, nous avons fait ce travail, Lorraine, pour nous connaître exactement qui était dans son globalité. Merci. OK. Honorable Bram Kalawan, point of order. Monsieur Speaker, mon visite fait un petit point of order pour une clarification, basé sur ce que le ministre dit. Pour dire avec le ministre qu'un parti politique il gagne en résister avec la commission électorale. Et qui est un parti politique accountable to commission électorale et qui est l'association qui a enregistré contre registrar général et qui US il pas une association mais il y a un parti politique et alors tout ça bonne exemption s'il fait faute il y croit ici là bas tout ça là saisit bonne l'esquisse. Merci beaucoup. Point of order, Honorable Pile. Yes, Mr. Speaker, je vais une misapprehension qui est arrivée dans l'Assemblée quand l'Honorable Mkalawan dit que c'était l'inavoué salé de la FPSC. Oui, qui a un dos par FPSC as a committee qui inclut trois membres United Seychelles. À cause nous le faire clair, nous le record, qui n'a pas personne nous à côté de la table qui cite aucun comité de l'Assemblée. Qui peut mettre état aucune investigation qui peut gagner fait vis-à-vis aucune liability qui nous comme parti politique nous en. Nous voyons nous dans une situation complexe à cause nous ne faisons pas ce parti politique. Mais pas veut dire pour dire nous pour condamner aucun moment aucune activité qui en défaut la loi qui même nous parti ne fait. Okay. À cause that's the way it should be. Nous devons être dans la force pour nous stand up. Toi on parti, il fait quelque chose mal, oui. S'il fait quelque chose mal et moi les ajouter Mr. Speaker. Moi les ajouter qui ça demande si gagne fait aussi par membre de sa côté de la table par moi-même honorable ou les autres membres et même membre de l'autre côté de la table pour qu'il y ait l'investigation et ça il le record le verbatim de l'Assemblée sur mon chacun qui ça il le record et moi les Mr. Speaker mettre devant vous qui on a là où l'Assemblée tout gagne misle à un moment côte elle a habilité 38 millions au pin gagne imposé qui nous voler et qui ministre une besoin clarifier mon quoi tu devrais arrêter ça simplement Mr. Speaker. Merci. On a appelé mon pas accepté ou clarification le premier point mais mon pas accepté sa commentaire qui mon père là
the house to be misled parce que mon Leslie fini causer et dans son finition il corriger pour dire une taxe le 38 millions mon Leslie et ensuite ministre confirme et alors there's no misleading of the house parce que ça même ça dit mon qui ça corrige son l'écho et il fait clair alors there's no misleading of the house qui gagne permit si pas tu fait lui mon tu pour dire lui clarifier alors moi qui en charge dans chair moi qui dirige ça pas besoin d'une claquisation comme quoi the chair is trying to be biased in any way. OK? OK. Si vous m'avez permis de retract, oui. Merci, Mr. Speaker. Je suis content de clarifier et je suis content que vous pouvez maintenir ce même standard sur l'Assemblée. Et je vais demander à mon pour suivre ça l'exemple qui vous donne. Merci beaucoup, Mr. Speaker. OK. Alors, retract to statement. Je note qui corrige, Mr. Speaker, et je retract mon statement. Merci. Dernier, nous parlons de dernière question, qui est une question d'isance posée par Honorable Gervais Henry. M'a permis de poser une question. Merci, Mr. Speaker. Sur mon motif, je demande avant pour m'en faire un petit point, la question originale. Ok, vite. Mr. Speaker, il y en a deux quelque chose parce qu'il y a un monde qui loue la case. La case, il peut louer, il paye son taxe. Et il déclare sur bonnes affaires qu'il besoin soumettre avec SARC avant le 30 avril tous les ans. Il est irresponsable. Et mon croyant malheureux pour nous, comme l'Assemblée sait, il laisse ça passer, qu'un parti politique, lui, il a si tant propriété, un clic, côté nation, il print 63 000 roupies par mois. Horizon Complex, pralé, côté bon Timoun de Saint-Anne qui était là en l'air, il restait. Tout ça là, mon jeune leader de l'opposition pour qui? Ministère Finance, il y a aussi sa bonne propriété, Horizon Complex avec NISA. Merci. Merci. Merci, Honorable Henry. Vous êtes capable avec vos questions d'isance? Mon question d'isance, il est comme ça. Est-ce que ministre pour Finance est capable de dire avec ça l'Assemblée pour qui raison l'administration M. Fort introduit SI 24 2019? Quel amendement spécifique ça SI peut faire? Et lesquels bon du monde qui peut bénéficier ambassade SI. Merci. Merci honorable ministre Finance. Merci monsieur speaker. Monsieur speaker, l'article 133D Constitution y met une restriction si vous voulez la façon pour taxer bon justices of appeal et bon judges salary allowance et gratuité et c'est à cause ça qui ça essaye in gain faire et nous spécifiquement spécifier qui est applicable pour Sefziz, président la Cour d'appel, Ziz la Cour d'appel et Ziz la Cour suprême. Et Ziz pour confirmer que sa bonne Dimon qui m'a mentionné, aujourd'hui, je peux payer. Personal income tax à 15%. Et ça, pour continuer. Mais, ça, progressive income tax, qui présente la loi, il n'est pas pour applicable pour sa catégorie qui m'ont fait mention. À cause de la Constitution, il prévoit que they are not worse off pendant la période qu'ils ont dans l'emploi. Et aussi pour ajouter que tout nouveau ZIS, ZIS la Cour d'appel, ainsi de suite, ban qui pour en an bon qui pour gagner employé qui pour un nouveau contrat zot pas fait
font partie ça ça l'exemption aux autres pour payer aux autres progressive income tax pareil la loi y demander. Merci monsieur speaker. Merci. Merci ministre honorable Henri. Merci monsieur speaker. Mon quoi mon question sa deuxième bout qui l'amendement spécifique ça SAIP faire mon quoi ministre si mon tu peux écouter la radio là mon petit plutôt clair dans la réponse qu'on donne qu'il fasse si capable répéter pour dire mon pas dire que vous dire sûrement il pense aussi clair so tu peux considérer ça mais sûrement mon question que moi envie demander c'est qui moi envie connaître lesquels ça individu ou soit ça groupe individu qui fait sa demande avec gouvernement et conseil président pour dire OK sa demande légalement éthiquement moralement OK capable accord autres ça qui ça et ça il peut dire faire mon vie connaît côté sa demande il sorti originalement. Et deuxièmement, le fait qu'il y en a qui sont en cours aujourd'hui concernant SAI, qui président fort, il a fait son case contre speaker le 10 avril 2019 et son SAI 24 qui fait ziz pas paye taxe, il date le 16 avril 2019, c'est-à-dire 6 jours plus tard. Le temps gouvernement prend une décision comme ça, Monsieur Speaker, moi j'accorde à demande ministre, si pas quoi il montrer un certain conflit d'intérêt, collusion entre exécutives et judiciaires, si ils ont pas considéré ça, et même dit Monique Abossial aussi loin, vous dire laisser corruption. Merci beaucoup. Merci honorable ministre. Merci, Monsieur Speaker. Merci, honorable. Honorable, première question, c'est quand tout ça a-t-il commencé? Moi, je me rappelle que ça a commencé depuis en 2018. Et le temps, la loi qui sorti, nous tiens en représentation. Sorti côte judiciaire et nous tiens un meeting avec autres à cause autres qui peut contester ça l'article 133D côte they cannot be worse off qu'ils autres contrat il dit initialement nous patiente ten. So, zotin pay progressive income tax, l'étant la loi, in vin en force. Et plus récemment, il en a, si vous voulez, un demande par judiciaire pour revoir sa question et aussi ajoute certains les autres travailleurs judiciaires pour tomber à sa provision. Et décision gouvernement, si pour limite li par les constitutions y demander à sa 4 catégories uniquement. Et c'est à cause de ça qu'il s'essaye une gagne faire. Et pour clarifier, pour moi, dans mon esprit, il est clair qu'aujourd'hui, je peux payer 15%. Je peux continuer à payer 15%. Je ne peux pas payer sa progressive par la hausse à cut-off point qui nous en a jusqu'à temps
pour un an un nouveau contrat ou bien un nouveau zizigan y appliquer. À cause là, à la loi, il y a la loi qui peut appliquer. Mais pour sa bonne qui est déjà dans l'emploi, dans certaines conditions, nous pas capable de faire autre worse off. Sur ça, clarification. Présent, la bonne date qui vous fait mention, mon pas qu'à faire aucune remarque Lola, mon n'a pas ça, ça l'information pour moi qu'on est exactement à bonne date. Et mon pas, il est trois branches indépendantes. Vous comprenez, mon pas comprend ça point où peut faire ressortir quelquefois il y en a une interférence. Mon pas connaît et il faut espérer qu'il n'a pas. À cause nous tous les trois nous supposons indépendants, transparents et applique procédure pareil constitution y demander. Merci monsieur le speaker. Merci ministre honorable Clifford André. Merci, M. le Speaker. Demain, mon quoi, mon pour besoin, je choisis mon profession. M. le Speaker, mon cher content, demande ministre, si son gouvernement peut maziner pour autant mener l'amendement constitutionnel pour faire si que toutes ces lois qui payent taxes a bénéficié pareil bandise à cause de ces autres l'argent taxes qui peut servir pour payer bandise. Deuxièmement, ça qui ministre dit nous, le temps peut get ça document corrige-moi ministre à cause on dit qu'il peut autres peut payer 15% mais ça document daté le 29 décembre 2017 il dit exceeding SR 8555.50 sous, but not exceeding 10,000 rupees, 15% on the amount in excess of 8555.5. Le temps, il vient de ça, l'autre provision, ministre, pas pour tant de moi, la ministre, vous pouvez demander encore là. Ok, moi, le même, ok. Yeah. Ça, l'autre qui vient exceeding 10,000 rupees, but not exceeding 83,000, là, il dit où? Il peut payer 216 rupies.68 sous plus 20% qui ont dit autre pas pour payer. Ça veut dire qu'il paye 15% ministre simplement l'eau salazan entre 8555 rupies 50 sous jusqu'à 10 000 rupies. Et puis les autres, ils pour payer. Ils payent 0, ils n'ont pas 216 rupies pour payer. Ça qu'on dit, ministre. Basé sur la réponse qu'on donne avec ça, pas pareil, ministre. Explique-nous à cause nous, bandimoun ordinaire, nous besoin continuer à payer taxes. OK? Et qui nous besoin de sauf nous. Qui les autres pas qu'à voir sauf nous, tous dans le même pays, même Seychelles, One Seychelles, si dit, non? À nous, gagne tout était pareil, ministre. Merci. Merci. Merci, merci, honorable ministre. Merci, monsieur le speaker. Merci, honorable. Honorable, moi, dans drafting, quelquefois aussi, il y en a l'interprétation. Mais pareil, moi, mon explique. Le 16 avril, aujourd'hui, ça a quatre catégories. Zot pépé, Progressive Income Tax, pareil, la loi y demande. Pareil, mon Dieu, les temps qui fait demande, un peu les temps passés, nous pas accordé, nous continuons, nous pouvons payer les autres. Nous avons senti qu'ils sont worse off, pareil, ça l'article, peut dire, they should not be worse off quand nous sommes sensés. Bon, ça point qui peut dire que tout travailleur sur ces lois become worse off, moi d'accord avec vous. Ou aussi, moi aussi, leader de l'opposition, speaker, tout le monde, nous worse off. Mais ça, l'article 133D, il réfère justement avec sa 4. Présent, à partir maintenant, vous prenez plus l'eau, Progressive Income Tax,
Zot poil, l'eau ça 15% qui t'y là avant. Nous t'y sens ça la loi. So, si faut de faire les plus clair, en nous, si, enfin, mon PC 0 et mon PC 0 de façon, pour moi, faire si, qui ça qui m'ont dit, ils gagnent incorporé bien, qui quelquefois nous capables ajoutent un paragraphe, après ce paragraphe, tout est, nous mettons un autre paragraphe, pour nous faire les clair, à cause de l'intention, c'est pas qui ça quatre groupes du monde, pas payer taxes du tout. Ça, c'est jamais l'interprétation. Vous pouvez payer 15, vous pouvez payer 15. Non, mais si, faut de, si, si la loi dit que vous ne pouvez pas payer taxes du tout, mais en nous, non, en nous, on nous met un toubi, on nous met un toubi, et là, on peut être mon cousin, on nous met un toubi, quand nous avons fait si, qui ça est clair. Monsieur le Speaker, merci. Merci, merci, ministre. Un petit clarification, on nous a demandé. Merci, Monsieur le Speaker. Mon souhaité est petit. Monsieur le Speaker, il y a des points qui ministre indique qui à cause de la cour qui fait l'interprétation, l'équipe pour faire l'interprétation, c'est moins 133. 133, il dit the salary allowances and gratuity payable to justices of appeal and judges shall be prescribed under law. Deuxième, il dit subject to article 134, the salary allowance or gratuity payable to and in terms and other conditions of service of the justice of appeal shall not be altered to the disadvantage. Son salaire qui pas gagné alter. Tax pas son salaire. Mon PC comprend à cause moi aussi le temps où dit mon salaire il restait combien il restait mon paye taxe ou taxe monté. Mon paye ou taxe, mon salaire restait pareil. Moi là même si restait pareil, mon gratuité restait pareil. Comme si corrige nous qui m'a ça staff qui travaille en cours, oublie moi. Oublie you ministre. Ça staff qui travaille en cours là-bas au Bosem Saziz qui peut donner les files, qui peut créer des gens dehors, qui peut faire des gens swearing, qui manière lui, il n'a pas payé taxes, son salaire pas alter. Quand la loi l'emploi, il dit, pas n'a pas droit, alter salaire, tout désavantage de la loi l'emploi. Mais tu avais dit, nous, tout nous désavantage là. Puis quand c'est la loi l'emploi là, ça y est. Deuxièmement, nous pouvons faire la loi, le ministre Coupé dit, tout est. It due the tax imposed under paragraph 1 and 2 of the first schedule shall not be applicable. So now rien pas pour payer ministre. 15% pas pour payer ministre. Là, infini dit là, merci. Merci honorable ministre. Merci monsieur le speaker. Monsieur le speaker, mon proposition un tourbi pour mettre 15%. Merci. OK, il paraît ministre il senti vous dit il y a un problème avec la façon drafting in grand fait. Nous continuons avec bonne question honorable Sébastien Pilet. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi besoin de dire quelque chose, les mon seulement question very very quickly. Les mon regard question l'honorable revient le order paper, mon regard nous sending orders et in dans en bas any questions will be asking seeking information set forth in accessible documents. Tout bonne information qui question nous abari, tu peux demander si pas bon document. Mais seulement, question nous abari, il y en a un important significant par l'effet qui est la loi taxe d'un pays ici prême. Ici prême, de tout pays la loi taxe ici prême. Soit l'Amérique, Banzis, il paye taxe. Comprends? So tout pays, il y en a un la loi taxe qui ici prême. Et c'est ça qui nous comprend. Et là, nous passons la loi taxe dans Cécile, tu fais un living ici prême. Nous payons taxe, M&A. Mr. Speaker, nous pas. Demande-nous question. Continuez, demande-nous question. Oui, Mr. Speaker, on est arrivé de ce pays là, nous montrer pour dire nous travail fairly without favor. Comprends? Without fear of favor. So, on nous appelle, demande-nous question, nous on est constant le temps. Ça qui moi ça quand un ministre clarifier et qui ministre pourquoi capable clarifier pour nous, Mr. Speaker. Et c'est qui?
exemption qu'on peut mettre en bas la loi aux ordres ministres. Et ça et ça et moi y a Einstein là. Ou pas qu'à base d'un tout bien que ça et ça et là. Ou pour besoin de retourner quel ouais ça et l'autre ça et. Mais si pour retourner quel autre ça et mon corps besoin de retourner la table et à rediscuter ça. À cause mon comprend là qui m'a honorable André les cause le salary payable. Mais salary n'a des salary, il y a gross salary ou net salary. Ou net salary c'est qu'on gagne l'infinity tax. Et ça qui la loi peut pour ça qui constitue dit c'est qui pas devoir désavantager. Mais ça pas ça les problèmes. Les problèmes c'est qu'il est nous introduit PIT qui introduit pour tout le monde. Il pas qui introduit pour un subset du monde, pour une catégorie du monde. Si nous tu senti pour dire ça banzi, si pour gagner désavantager ou aucun individu, nous tu va gross up notre salaire accordingly. Mais nous pas gross up notre salaire. So si ça pas gagner fait, then that should be something qu'ils ont besoin à discuter. Mais seulement as it stands là, l'assemblée pour faire un quelque chose qui est abnormal vis-à-vis les autres Cécélois si nous laissons ça as it is. Merci. Merci honorable ministre. Merci, monsieur Speaker. Monsieur Speaker, on peut essayer une façon pour nous faire ce qui, ça qui m'ont dit, gagner incorporé. Par exemple, s'il faudrait retourner et qu'un autre. Et mettre pour les clairs, qui ça not applicable, qui cap gagner terre pour être qui not applicable à toll tout pay tax qui pas l'intention du tout en nous regarder qui manière nous faire ça et mon souhaiter autres dans moins peu guidance aussi qui manière nous pour faire ça. Merci. Merci honorable Bena George. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi je suis content contextualise question qui m'ont pas demandé par un des quelque chose. Premièrement, un ziz la cour d'appel ou bien un ziz la cour suprême, including son président la cour d'appel avec son chef ziz, ils ont besoin en un salaire qui approprié, pareil nous dit, commensurate avec fonction qu'ils ont désagé. Ça, nous pas capable contourner. Si nous avons envie du monde vinziz, nous avons besoin de payer autres un salaire qui est adéquat. Ça, c'est la première considération. Un petit peu pareil, speaker de l'Assemblée, un petit peu pareil, président, nous avons une catégorie à part, à cause de ce travail qu'ils ont fait, une catégorie à part. Et mon travail même ajouté, même l'Assemblée aussi, devrait tomber dans sa chose, mais on nous parle là-bas. Deuxième point, c'est que en bas de l'article 133, il est clair, à cause qu'il n'est pas capable de réduire le salaire ZIS pendant qu'il est en fonction, c'est pour empêcher le gouvernement de mettre pression sur ZIS pour lui rendre ZIS en faveur du gouvernement en disant si vous ne faites pas, vous pouvez beaucoup pour salaire. C'est pour sa raison qu'il a. Alors, nous ne sommes pas capables de faire. Et troisième considération, c'est est-ce qu'il devrait être en an des systèmes taxes posés, un système taxe posé, un système taxe qui pas posé. Et moi, c'est là que mon question est venue, ministre. À cause qui nous parle dans sa système, quand pendant un peu de taxes qui pourrait payer par sa banque qu'il a, à cause de ne pas réduire notre salaire, mais banque qui pouvait avoir, Zot prenait l'autre régime taxe. Mon pas voir qui manière nous a justifié ça. Premier point. Deuxième point, c'est qui est arrivé avec section 13 Judiciary Act qui dit que ça allait tout bon ziz, pas prenant taxe, Lola. Si pas prenant taxe, nous pas capable d'appliquer ni 15%. Mon pas connaît. Certains disent, moi, sa provision n'est plus existé. Alors, c'est une sortie à cause que nous pouvons dire un bon pour payer 15% là, mais un bon qui peut venir après pour payer 15% est progressive. Il n'est pas pour possible. Nous pouvons faire des catégories ZIS. C'est un bon qui peut venir pour dire, mais qui est un bon qui avant peut gagner un meilleur traitement. Nous avons besoin, je crois,
fait une façon qui, si ça les exigeant est taxé, à cause de l'article 133, pas permet une réduction pour banque qui en poste, increase zot baisse, pour qui zot pas, zot salaire pas réduit, mais fait même quelque chose pour banque qui peut venir après, pour qui pas prendre des poids des mesures. Est-ce que c'est pas ça qui nous devons être faire? Et si nous ne pouvons pas faire lire à travers ça et ça, est-ce que nous ne pouvons pas revoir ça et ça d'une façon qui nous achève ça qui nous envie d'achève? Merci, honorable George, ministre. Merci, monsieur le speaker. Monsieur le speaker, moi, mon croix qui effectivement. Quelquefois, la réponse est dans le ministère des Finances, quelquefois, il a besoin de revoir sa politique, la taxe. À cause, pareil, honorable André Ndi, ses salaires gratuités qu'à la WANS, qui pas mérite sauf et taxe les dans notre taxe type pour tout le monde c'est celle est-ce qu'il nous déjà à cause par les passés nous sans régime est-ce qu'il nous déjà par les passés gross up pour sa catégorie mon pas connait faut les mon pose question et il capable nous déjà faire lui par les passés, mon pas qu'on est, mon besoin à le vérifier. So, quelquefois, le ministère des Finances nous besoin revoir un policy qui nous vient avec. Après, suite à ça, nous donne son emploi légal, son cadre légal pour sa cas spécifique. Mon proposer quelquefois solution il a monsieur speaker merci ministre bon mon ça content gagner un petit guidance mon connais ça y a un topic très important et mon en devant moi 1 2 3 4 5 6 membres qui me posent question là mon pas envie coupe personne midi 1h-1/4 1h nous pendant un meeting ABC. Peut-être nous avons fait un cas. Nous avons allé jusqu'à un air. Seulement, il faut bonne la réponse. La question est assez bref pour nous capables de finir. Je ne vais pas aller jusqu'à un air. OK? Mais dans ce cas, je vais aller avec honorable Norbert Loiseau. Merci, M. Speaker. Bonjour, ministre. M. Speaker, vu qu'il y a une constrainte de l'État, alors je me demande 10N parmi mes trois questions. M. Speaker, je vous demande avec le ministre une simple question pour nous comprendre la raison d'être, qui des avantages il peut emmener pour la banzise qui a l'os, nous avons besoin d'exempter. Alors, M. ministre, je suis content, vous donnez-nous des détails, le combien. Sa banzi, zot ganyen, sa ban ti moun konserne ki dan HSA, y la ki pou beneficye lo la, ki zot alawen, san not mo, ki zot package, pou nou ka bien kompran, ki degre dezavantaje, zot pou dezavantaje. Merci. Merci. Honorable Loiseau, ministre. Alors, epi deman, tre spesifik, ki package, sa ban, sa kat kategori di moun, ki pe ganyen, un taxe zéro en bas ça merci monsieur speaker merci honorable la table qui m'ont peut regarder là ah pardon la table qui m'ont peut regarder qui dans livre budget il montre et moi qui, avec votre salaire, les mois,
qui varier entre 63 900 roupies jusqu'à 53 908 roupies. 15% et 9 500 jusqu'à 8 000. Et le progressif, ça a augmenté pour 10 000, pour 11 000. So, une différence 1400, 1500 roupies par mois. Et plus ou moins, il y a à peu près 912 roupies par mois. L'eau sur la table qui m'ont pu regarder là. Et pour la cour d'appel, il y a un peu plus. So, nous pouvons 1600 roupies à 912 roupies, plus haut et plus bas. Merci, M. Speaker. Merci, ministre. Je vous demande toutes les conditions de la paix. À part de la paix, c'est dans la once, etc. Et la case, par exemple, qui valait ce bon bénéfice qu'ils ont pu gagner? Oui, Monsieur Speaker, moi hier, mon comprends, si le gouvernement ne donne pas zot la case, c'est-à-dire zot zot propre la case, zot gante un allowance tous les mois 25 000 roupies. Oui, en plus qui ça salaire qui m'ont mentionné. Merci. Moi, merci pour sa réponse, mon vice-ministre. Si vous êtes désavantagé, moi, mon pli désavantagé à cause de 25 000 roupies, c'est ça la paix qui m'emmène, c'est moi quand même à l'Assemblée. Merci. Merci, honorable. Honorable leader government business. Merci, M. Speaker. M. Speaker, ce qui est ministre capable informe nous l'Assemblée. Et dis-nous, lesquels qui n'advisent le gouvernement le saisissent et qui justification une grande émette et rationnelle qu'une grande émette dans file le saisissent. Et confirmez que nous, est-ce qu'il y a le passé, il y en a dans le passé récent, est-ce qu'il y a dans l'exercice qu'une grande fait pour mitiguer sa problème quand les bandes fait taxes ils commencent à mettre le salaire bandes et les autres encore par les temps nous aussi nous gagnons mettre pareil est-ce qu'il y a l'exercice qui t'y fait pour mitiguer sa situation dans des passés récents? Merci. Merci honorable ministre. Merci monsieur speaker. Merci honorable. Par les monde fait ressorti initialement nous pas t'y accepter sa request. Mais après, pareil, ils m'ont expliqué, ils ont revoir et proposition qui nous gagne, sorti côté procureur général, c'est ils ont drafté ça et ça, et pareil, nous voir là, qui m'ont signé. Moi, mon fait signe, l'étant mon signe ça et ça, et qui, il y en a des choses, nous type faire si qui sa catégorie qui nous t'y décide t'y pour bénéficier t'y inclut dans sa SI mais m'ont réalisé cette fois après sa discussion qui nous peut faire là qui capable il y a une word il y a comme si donne l'impression de ne pas payer taxe du tout qui pas l'intention so y en a ça et deuxième réponse aux questions, c'est que oui, il semblait moins dans les passés, nous déjà gross up pour take care of an increase. Mon appassion détail, qui sont l'enveloppe, qui t'y représentait, mon cas, find out, mais nous déjà fait les comme ça auparavant. Merci, monsieur. Merci, merci, ministre. Honorable Sandy Harrisol. Mr. Speaker, merci encore une fois. Mon avis, tourne le point que nous avons fait.
Honorable George Indi, pour dire que le travail qu'ils ont fait est excellent, est en hauteur, alors nous avons besoin de payer bien. Nous n'avons pas aucun problème avec ça. Zis ban mam l'assemblée que nous devons travailler la croix par tout le monde qui a dit. Ça, il est fait. À cause, moi dis ça, parce que aujourd'hui, dans nos pays, tout le monde qui a dit mam l'assemblée qui gagne plus gros salaire dans sa pays. Moi, va dire aux autres, président de la Cour d'appel, combien il gagne. La paye présent la Cour d'appel est 70 740 roupies. Il gagne 25 000 roupies housing allowance, il gagne lien loto, il gagne lien driver, il gagne lien sécurité qui moi, Sandy John Harrison, m'ont pas gagné. Mon loto, moi, stake mon l'argent. Pas l'assemblée qui donne moi, mon stake mon propre l'argent. Ziz la Cour d'appel, moi, dis autres combien il gagne. 62 818 000 roupies par mois. Il gagne 25 000 roupies, il gagne lien loto, il gagne lien driver, il gagne lien sécurité. Ça, c'est un peu qui m'ont pas dit. Il y en a les autres packages qui viennent avec. Sef Ziz, 79 000, 846 000 roupies, 25 000 roupies housing allowance, loto, driver, sécurité. Les autres Ziz, 56 316 roupies, 25 000 roupies housing allowance, loto, driver, sécurité. Tout ça là, Mr. Speaker, il a dit que le ministre des Finances avec son délégation, c'est dans nous, décembre. OK? Ça, ils ont package qu'ils ont gagné, qui moi m'ont pas gagné. Alors moi mon ouvrage pas si tant ça l'importance par les banzis. Et dans tout la justice ministre, dans tout principe qui banzis y croit là-dedans, mon happy qu'ils ont travaillé, qu'ils ont préféré. Moi mon seul quelque chose qui m'ont pas d'accord, Monsieur Speaker, ça est ça qui nous sorti, qui dans nous l'Assemblée nationale, qui ministre Lousteau Lalonde qui l'a devant nous signé, comme un ministre finance, il fait provision pour les autres pas payer taxes, le ça qui nous dit. C'est la cause de mon mal, qui m'ont pas d'accord, qui m'ont senti mal. Ou qu'on est à cause, monsieur Speaker, comment on dit ça? Parce que sa papa, qui gagne 8500 au pied plus, lui, il paye 15% de taxes en bas gouvernement US aujourd'hui. Pas juste ça, il paye HFC un bout de l'argent, expecté à la case qui peut arriver dans 2000 ans. Mais. Il loue à la case encore le 109 850 au pied lui-même. Il paye gaz lui-même. Électricité, de temps en temps, il monte et pas rester les grands n'ont rien. Mais à cause, banque qui gagne 70 000, 62 000, 79 000, 56 000, Zozo pas pour payer taxes. Et pas juste ça, et Zozo dévantagé. Et pas juste ça, tout ça, banzis, majorité Zozo c'est cela. Zozo n'a pas de la case, nous payons Zozo 25 000 pour Zozo rester dans Zozo pour la case. Ça c'est cela, il peut se payer la case. Et Zozo n'a dévantagé, monsieur Speaker. Je ne pas d'accord avec ça du tout. Maman quoi, si maman paye taxes. Ben c'est celui d'ailleurs qui gagne plus petit gain, 8500 et plus, nous payons taxes, nous aussi nous besoin payer taxes. Et nous pas oublier, ça y a une négociation qui gagne fait en judiciaire avec l'exécutive. Est-ce qu'ils ont une faire sans sous secret? Je ne peux pas consulter personne, je ne peux pas l'habitude, pas consulter. Pas oublier, c'est nous comme majorité de cette assemblée. Je fais ça passer à travers ESI, tranquille, pour nous pas trouver. Monsieur Speaker, nous voyons ça et ça et là et là. Et moi, mon papa est d'accord avec ça. Et ça, mon chat content dit, Monsieur Speaker, pas oublier, pour dire ça, même exécutive, il met l'Assemblée nationale en cours à cause nous payons quelque chose de raisonnable pour ça, peuple à seulement 450 euros, puis nous payons demander. Zotin met nous en cours, devant ça, même ziz, qu'ils ont pas pour payer taxes. S'il vous plaît, ministre, c'est clair si mon doute, sans mislead the house, parez-moi habitué fait. Merci beaucoup. Merci, Honorable Barisol, ministre. Merci, Monsieur Speaker. Mon écoute, Honorable, l'eau sans bonne, Sifkin Donnay, mon pas capable de contester à cause il dans budget book. Et mon comprend ça qui dit si il y a bonne manipulation, mon pas au courant. Pareil, mon dieu, oui, moi, mon signe, ça est ça, il est en mon signe, ça est ça, il y en a des choses qui m'ont mon peut faire. Et mon papa répéter, déjà, il y a un pétard, so, ça a raison à cause mon signe, ça. Mais moi, d'accord, quelquefois, il faudrait nous en avoir un nouveau politique clair. Vous comprenez? Et il y a encore un ouvrage, quelquefois, qui nous a besoin de faire en ce qui concerne sa cisée en particulier qui est devant nous. Merci. Merci. Honorable Ramkalawan. Merci beaucoup, Mr. Speaker. Mr. Speaker,
mon zis envie demande ministre d'une façon directe est-ce qui l'équipe outil ça et ça ou bien y envie nous couche à cause nous paie couche à cause si nous couche président de la République est capable de mettre un caisse en cours contre nous contre speaker et nous pas envie à loi speaker encore une fois en cours. Alors est-ce que Vicky ministre a accepté qui vous dit son SI, il y en a un défaut là-dedans et en plus qui ça sont tout pas pour aider lui à cause n'est plus ça 15% le ban la payer ça c'est infini. Alors tout bi pas pour aider ministre parce qu'il n'a pas la loi qui vous permet tout bi en bas là. Is this progressive income tax là aujourd'hui? So est-ce qui ou attirer ou même parce que nous capable de pour tirer nous semaine prochaine nous capable mener émotion pour nous coche mais c'est moi dis promet nous qui vous dit au papa l'encou contre speaker l'Assemblée nationale. Deuxièmement Mr. Speaker mon quoi ça l'idée transparence est une importante quantité et là mon besoin dit ministre qui mon désappointé total à cause. Le incisé si tant important, nous noir qui gouvernement il décidé amener un SI pendant qu'il est temps l'Assemblée nationale il recess. Ça premier. Deuxièmement, nous noir qui gouvernement pourtant State House content faire sortir bonne presse communiqué. State House pas faire sortir aucun presse communiqué, l'on l'annonce si tant important, qui vous dit, tout le monde pour arrêter de payer taxes. Alors, nous désappointons ça. Et si LDS, dans son travail avant-garde, patine débisté, ça et ça, et son bon l'impact, il est pour finir passer. Et au fait, infini vivant, il est encore vivant ça. Parce que depuis le 16 avril, il est vivant. Et c'est la façon, c'est pour nous, tout il est au plus vite possible, avant qu'il vienne un droit acquis, dans un certain sens. Donc, so, j'explique à mon besoin, exprime mon désappointement, et là, moi, ça va demander qui peut dire bonne l'annonce, bonne décision, si tant important, qui désormais, ministère finance et gouvernement, il fait les peuples c'est ces lois qu'on est à cause si nous patine fait ça à travers question honorable Henri pour les peuples c'est ces lois qu'on est personne pas dit pour qu'on est. Alors Mr. Speaker moi ça va content ministre il demande il répond nos questions mais finalement avait dit que c'est pas zis judiciaire qui pour worse off. Tous les peuples, c'est loin. Ils worse off. Et alors, on ne nous regarde pas en catégorie, mais on nous regarde les peuples, c'est loin en entier. Merci beaucoup. Merci, Honorable Mkalawan, ministre. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Honorable. Le dernier point qui nous fait ressortir, moi, tout à fait d'accord. Moi aussi, mon fait ressortir sa pointe tout à l'heure. Alors, way forward, honorable, mon pas connaît légalement comme un ministre qui, si mon capa, si ça et ça, mon croix, il est plus important qui mon laisse où aide-moi et si ça d'affaire. Merci beaucoup. Merci, ministre. Ministre, il m'a été demandé avec l'Assemblée pour faire un petit travail. Et mon pensée, il y en a un membre qui a amené une émotion pour aider le ministre dans sa petit travail. Et avec ça, il arrive un air. Nous pouvons être jeunes. Pendant une rencontre ABC, on nous fait lire un air 20. Et moi, Cizere, qui nous recommence au lieu des aides, des incas, qui a donné un membre assez le temps
pour se récupérer, retourner dans l'Assemblée. Nous avons discuté aucune chose qui nous a pas fait plus tard, mais pour le moment, nous pouvons adjourner et nous pouvons reprendre des airs.